Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente ce joli flocon de Noël. Vous raccrochez à un sapin, sur une porte, où vous voulez, ou en faire autre chose. Donc, il se crochette en 3 tours. Très facile et très répétitif, vous allez voir. On va passer au pas à pas. Alors, moi, j'ai choisi une laine blanche pour que vous puissiez mieux voir. On va commencer par faire une boucle, le nœud de base. Voilà, on tire bien. Et on fait 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On unit à la première en faisant une maille coulée. Décidément. Voilà. Une maille en l'air. Elle compte pas comme la première maille serrée, cette maille en l'air. C'est juste pour monter. Et ensuite, à l'intérieur, on va venir faire 16 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Vous faites ainsi jusqu'à en avoir 16 à l'intérieur et on se retrouve. Voilà, nous avons nos 16 mailles serrées. Et on va unir à la première maille serrée en faisant une maille coulée. Ensuite, on va monter avec 12 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors pourquoi 12 mailles? Donc l'équivalent d'une demi-bride, d'une double bride, pardon, plus 8 mailles en l'air. On va venir sauter la maille suivante. Et dans la maille d'après, nous allons faire une double bride. Une double bride et 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous remontre. Donc on saute la maille suivante, on saute celle-ci et dans celle-ci, on va venir faire une double bride, donc 2 jetées sur le crochet. Deux premières boucles, deuxième boucle et les deux dernières boucles. Et on refait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire pareil tout le long jusqu'à avoir 8 espaces au total. Et on se retrouve à la fin. Je vais vous montrer comment on fait pour unir. Voilà, donc là j'ai 7 espaces, je viens de faire la dernière double bride, je rajoute 8 mailles comme on a fait précédemment, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je vais venir piquer sur la quatrième de la première, 1, 2, 3, 4, pour faire une maille coulée. Voilà. On va tirer un peu. Et là, nous avons nos 8 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une maille en l'air. Et dans l'arceau, dans chaque espace, en fait, on va venir faire une maille serrée, une demi-bride, une bride. Alors, je reprends. Donc, une bride. Donc, on a une maille serrée, une demi-bride, une bride. On va faire 3 doubles brides.
une, deux, trois doubles brides. Ensuite, on va faire un picot de trois mailles chaînes, de trois mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3 mailles. Et on revient dans la première, on fait une maille coulée. Alors, on reste toujours dans le même espace. On continue avec deux doubles brides. Une, la deuxième. Voilà, on pousse un petit peu. Ensuite, une bride. Une demi-bride. Et une maille serrée. Donc là, notre pétale est terminé. Enfin, la partie du flocon, elle est finie, celle-ci. On va compléter les 7 autres. Donc je vous remontre. Alors pour passer à l'espace suivant, on fait juste une maille coulée à l'intérieur. On commence une maille serrée, une demi-bride, une bride, trois doubles brides, une, deux, trois, un picot de trois mailles chaînettes, donc je fais trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et je reviens dans la première en faisant une maille coulée. De l'autre côté, deux doubles brides, une, deux, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Voilà, vous allez reproduire ça dans tous les espaces. Et pour passer d'un espace à un autre, on passe juste avec une maille coulée, comme ceci. Donc, une maille serrée, une demi-bride, une bride, trois doubles brides, un picot de trois mailles chaînettes, deux doubles brides, une demi-bride et une maille serrée dans chaque espace. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini la huitième pétale, enfin le huitième pétale. Et je vais venir unir à la première maille serrée du pétale suivant en faisant une maille coulée. Voilà ce que ça devrait vous donner. Alors, si vous voulez faire une attache pour, comme celui-ci, pour pouvoir l'attacher à un sapin, enfin à ce que vous voulez, vous faites 15 mailles chaînettes, à peu près 15 ou voire plus, et vous les attachez sur l'envers. Vous faites un petit nœud coulant, vous les attachez de l'autre côté. Voilà, bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut !